Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue où on retrouve notre très très belle Iowa qui est apparemment en pleine forme dès ce matin. Et qu'est-ce qui vient d'être affiché en haut? Je vous le donne en mille. La fin des vacances se termine dans un jour. Pour prolonger le séjour, choisissez pour prolonger les vacances sur les téléphones d'ordinateur. Il nous reste 24 heures ou moins. Il est dimanche 20 heures. Wesh! Déjà, mon gars, tu vas manger et plus jamais tu sors. En fait, tu reviens pas à la machin. Hein. Je te le dis tout de suite. Tu fais ce que tu veux maintenant pour te repomper l'énergie, te remonter les énergies. On va y arriver. Hein, je vais... et tu reviens pas à la location. Hein, tant pis. Hein, on est dans la jungle. On va aller voir cette dernière porte. Oh non. Et en plus, il se remet à pleuvoir. Mais je suis dégoûtée. Tu vas me creuser ces trois trucs là qui ont popé. Donc c'est très bien. Oh, le site de fouille. On le laisse tomber, ça sert à rien, c'est trop long. Et le deuxième site de fouille ici aussi, ça va me casser les pieds. Donc tu vas franchir directement la porte de la jungle et voilà. Et cool, une améthyste en plus. Parce que là, même quand on rentrera, on pourra renvoyer tous les doubles. Hein. Donc c'est bien. Et t'as chopé quoi après? Bah il me le dit pas. Ok, super. Ouais, un morceau de calcaire. Allez, hop! Nous voilà donc dans la jungle. Tu vas récolter les avocats pour cas où t'aurais faim sur la route. Ça, on l'a déjà fait. Celui-ci, tu vas le creuser. Et ensuite, direction ici à franchir. Et on franchit. Et on arrive donc quasiment à la fin de notre petit périple. Donc ça, on peut pas y aller. Ça... On peut pas y aller non plus. C'était fermé aussi, cette histoire. Enfin bref. Mais par contre, celle-ci, c'est ouverte. Donc, t'es où? Ouais, parce que là, je t'ai paumé. Tu vas creuser ce que tu peux creuser. Ici, tu vas me creuser ça. Et après, eh ben, c'est direction la dernière porte. La fameuse porte secrète que je n'ai jamais eue. Alors, je sais pas s'il va y avoir grand-chose d'intéressant, hein, mais en tout cas, je n'ai jamais eu accès à cette partie de la jungle. Donc, bah, écoutez, ce sera complètement une découverte. Donc, tu vas te frayer le chemin à la machette. Ok, on est vraiment en pleine nuit, là. Super, et il arrive pour ouvrir les dernières rambardes de fougères. J'espère qu'on aura des beaux trésors, quand même, ce serait cool. Allez, c'est parti! On traverse! Et soudain, des paresseux! Bon, ça, on l'a déjà eu, hein. En prenant un virage à Iowa sans qu'on l'observe, il lève la tête et voit un groupe de paresseux qui le regardent. Cela le distrait un instant. Et il marche sur une branche basse dont sortent des lucioles pyromanes. Celle-ci se dirige vers les paresseux et commence à les attaquer, roussissant leur fourrure. Ah oui, 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 la fourrure. Je vais essayer de distraire les mouches en dansant. Ah! Apparemment, ça fait du bien. Ayo commence à faire du bruit tout en se lançant sur nous. Hein, machin, cela fonctionne, une seule perturbée. Ah oui, le clin d'œil. Le clin d'œil. Donc, on a récupéré quelque chose, apparemment. Qu'est-ce que cela peut bien être? Bah écoutez, on a récupéré quelque chose, mais je ne sais pas. Sachant que les trucs qui brillent, c'est des trucs que j'ai récupérés juste avant. Bah écoutez, je ne sais pas. Ah! En tout cas, les abeilles sont ici, les fameuses abeilles pyromanes, comme vous pouvez le voir. Il y avait même des moustiques avec. Alors, où est-ce qu'on est? Oh, il y a un trésor! Il y a un trésor, il y a un trésor, il y a un trésor. Ok, on est où? Ah, mais on est au bord de l'eau comme ça. Ah, est-ce que j'ai déjà été dans cet endroit? C'est possible, mais peut-être que j'avais pas accès avec cette porte. Oh là là, je me souviens pas du tout. Bon, bah, on a un peu fini tout ce qu'on pouvait faire. Du coup, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a le coffre, il y a un peu à gratter. Et puis, il y a une barque. Et puis, on peut pêcher, je crois. Mais oui, on peut pêcher. Mais c'est tout. C'est un peu décevant. J'attendais vraiment une très, très grosse surprise pour cette dernière porte. On va dire que c'est mieux que rien. Tu vas ouvrir ce coffre-là parce que je pense que, ben, on va pas dire non, quoi. Quoi qu'il y ait dedans, moi je prends, hein, Iowa. Hein. On est d'accord, toi aussi? Ça brille! Ça brille! Allez, fais-moi plaisir. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, Iowa a trouvé de merveilleux objets dans le coffre au trésor. Il a pris un objet ancien et du matériel d'aventure. Ok, oui, j'ai un peu mitraillé de photos. Alors, un objet ancien. Ok, ça. Super. Oh, on a récupéré une machette. Ça, c'est cool. Je vais le laisser manger. T'iras creuser ça, mon petit.
Je vais pas te cacher qu'il n'y a pas 10 000 millions de choses à faire sur ce petit truc-là. Au pire, si tu dois pisser, il y a un petit buisson. Donc c'est ça qui est bien. Et on peut pas se baigner par contre. Donc bah, tu iras t'occuper, tu sais ce que tu vas faire. Tu pêcheras. Voilà, on sait jamais. Et puis des fois, la compétence pêche est demandée dans les contrées de la jungle. Donc voilà. Au lieu de faire un site de fouilles ici. Oh non, pas les araignées. Pas les araignées, laissez-le tranquille. Et ben voilà. Erk, moi je peux pas ça. Et il a pas le, il a rien pour se défendre. Et voilà, il s'est fait piquer. Mais c'est qu'il y a des lueurs aussi mystiques là dans l'eau, là, dans les vieilles ruines de temples. C'est magnifique, hein. Franchement, regardez-moi ça. Bien sûr, il y a des dangers un peu plus discrets dans cette jungle. Qu'est-ce que c'est? T'as trouvé un trésor? Machette! Oh, trop cool! Ah, par contre, ça c'est trop cool, ça nous évitera d'en racheter. Ça nous en fera trois pour le prochain voyage. On est content, on est content. Pourquoi je vois qu'il y a une porte de disponible ici? Bon, tu vas arrêter de pêcher du coup? Parce que si cette porte elle est open, bah, on va la passer, hein, parce que quand même, bah, c'est là d'où on vient. Hein. Donc je suis remontée comme ça. Parce qu'en fait, c'est un monde semi-ouvert, hein. Vous savez, Selvaradorada, on peut se balader. Par exemple, je peux revenir ici, ou je peux carrément aller à la location aussi qui est ici, vous voyez. C'est quand même un monde ouvert, donc c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, je pense qu'il y a une porte qu'on a ratée, donc tu me déterres vite ça, mon coco, puis on y va. Voilà, un crâne non authentifié. Et du coup, on va ouvrir la toute dernière porte, qui pour moi, normalement, était fermée. J'ai peut-être mal regardé, je ne sais pas. Ou c'est peut-être une porte bonus, parce qu'on s'en va. Allez hop! Un petit coup de machette ici, un petit coup de machette par là. Allez, c'est parti! Oui, encore des trésors, s'il vous plaît! Un jaguar dans la jungle. Iowa entend un rugissement, se retourne lentement et voit un jaguar passer dans la jungle avec quelque chose de brillant dans la gueule. Le félin n'a pas encore vu Iowa. Doit-il arrêter de bouger? Et attendre qu'il parte pour tenter de lui faire peur? Alors, bondir pour faire une compétence fitness élevée. Ou faire partir avec l'extincteur de Luciole. Allez, on va utiliser le truc de Luciole. Confrontation avec un félin. Iowa se cache derrière un buisson lorsque le jaguar approche avec l'objet brillant. Une fois les jaguars tout près, il sort son pulvérisateur et vaporise un énorme nuage. Le jaguar est effrayé par l'odeur et s'enfuit après avoir lâché le cristal. On a un temple? Vous êtes sérieux? Mais je vais pas avoir le temps de me faire le temple! Wesh! Est-ce que c'est le temple auquel on a déjà été? Mais moi je comprends plus rien. Mais non! Mais c'est pas le même, hein, les enfants! Oh oui, bah vas-y, examine, examine, examine! Mais là on n'aura pas le temps du tout, hein, de tout regarder là! Il y a plein de trucs! Oh là là, à midi il s'en va, hein! Oh non, mais c'est dégueulasse! Je savais pas qu'on pouvait avoir deux temples dans la même semaine. Oh, je suis tristesse. Je suis tristesse. Ok, donc il y a possiblement ce truc-là. Tu vas mettre dans la glyphe feuille. On va tenter le tout pour le tout, hein. Yes! Oh, le pied total. Alors, je vais essayer d'être super rapide parce que sinon on va être renvoyé chez nous en moins de 2. Il est 8 h du matin. Oh là là, regardez-moi cette armée de squelettes, c'est génial. J'espère que tu vas trouver le mécanisme assez facilement, qu'on n'aura pas besoin de faire des circumambulations autour, hein. Mais quoi que ça pourrait nous porter chance, hein. Ralentir le temps, quelque chose comme ça. Eh, fais-moi plaisir, dis-moi que tu vas trouver. Parce que là, on peut rien activer. Tout est grisé en plus, on peut pas faire. Il faut qu'il examine les trois. Alors? Zut, aucun de ces déclencheurs n'ouvre la porte. Ah bah zut alors, comment on va faire? Quoi? Mais non. Tu vas essayer de passer? Oh là là, j'ai peur. Je vais tuer Iowa. J'ai peur, maman, j'ai peur. Est-ce qu'il va mourir? Vous pensez qu'il va mourir, que c'est la fin? Au pire, il sera empoisonné, hein. Ça ne veut pas passer! Écoutez, c'est fermé. Si vous essayez d'entrer, quelque chose vous repousse automatiquement. Essayez de franchir le champ de force en désactivant les défenses du temple. Lorsqu'il ferme les yeux, Iowa voit une tête de chat en haut d'une relique ancienne.
Oh, dites, je viens de découvrir un truc. En fait, il faut qu'il soit inspiré ou enjôleur ou confiant et tout ça pour. J'allais lui faire prendre des baies de courage et tout. C'est comme ça que j'ai vu que ça avait une baie romantique. Même deux s'il faut. Parce que pour activer ici, tu vas venir là après. Il reste 4 heures en plus là. Il est confiant, il est enjôleur. Allez, tu vas marcher sur la plaque en étant enjôleur. Oh, ce serait vraiment trop bien, mais je suis pas sûre qu'on atteigne. Oh, c'est pas bon. Ou c'est pas bon. Quelle horreur. Activer. Marcher sur la plaque de façon enjôleuse. Je pense pas que ça va marcher. Hein. Non plus. Ok. Quel soulagement. Et ouais, améliorer la compétence culture sur la demande d'un habitant de justesse. Une catastrophe. Mais en fait, je peux que celle-ci. Mais c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Mauvaise activation. Oh la mince! Il va se pisser dessus! Regardez-moi cette tête. Il est trop mignon, mais qu'est-ce qu'il est? Et prendre conscience de quelque chose, curieusement, lorsqu'il a vu cette étrange magie ancienne, c'est lui rappeler toutes les Sims. Tous les Sims qu'ils ont abandonné. Qu'il a long abandonné au cours de sa vie, et c'est un moment mal maintenant. Bichette! Il est encore plus désespéré, bichon. Bah écoutez, pour annuler la baie romantique. Comment je peux savoir? Il faut qu'il soit énergisé. Avec l'énergie liquide! Vas-y, tu me bois ça. Ça ne marche pas. Ah, oh, mais si, elles sont là! Elles sont là, les baies de vitalité! Yes! Allez, go! Oh, je t'en prie! Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça ouvre la porte! Oh là là! Oh là 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 là! Franchement, c'est la première fois que j'avais affaire à un piège de ce style. Donc, oh, c'est très très joli. Donc, je suis contente. Oh, il y a un trésor! Il y a un trésor! On va pas repartir les mains vides! Ça, c'est bon! Bon là on est vraiment sur les toutes dernières secondes de vacances. S'il ouvre le coffre, c'est un vrai bonheur. Mais je pense pas qu'on ira plus loin. Coffre d'avoir place des Sims sous des matériels d'aventure. Parce qu'on doit encore examiner ce truc-là. Ce truc-là. Activer. Oh si tu peux faire une offrande au glyphe soleil. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais comme il doit pisser sa mère, il avance pas. Et que là, on va arriver vraiment. On est dans les dernières minutes de vacances, donc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu, on va descendre. C'est vraiment une course contre la montre. Ah non, il y a encore un mécanisme. Bah écoute, tu vas examiner. On sait jamais, hein, si on a beaucoup de chance. Oh, écoute, pisse-toi dessus, ça ira plus vite, mon chou, hein, parce que là, ça ne va plus. À frôler la catastrophe. Non, non, viens, 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 viens. T'as trouvé. Assembler les glyphes. Assembler les glyphes feuilles. Vas-y, vas-y. On n'a pas besoin de faire tous les défenses, tous les mécanismes. Oh, je t'en prie. Oh la vache. Je sais pas là, mais on est vraiment dans les dernières minutes. C'est ouf hein, ce qui se passe. C'est ouf. Il aura eu encore un trésor. Yes! Exploration du temple terminée. On a gagné 2500 simflouzes. Et on va encore avoir le dernier trésor. La frustration. Je n'ai pas le droit de faire plus long, en fait. Je n'ai pas le droit de prolonger les vacances. Il était vraiment en train d'ouvrir. Je suis juste dégoûtée. On va rentrer à la maison. Eh ben, nous revoilà à la maison. La minuscule petite maison. On va être recoincés ici pour 2 semaines. Ça va être fantastico-fantastique. Et donc il va aux toilettes, il va payer ses factures, voilà, il va revenir beaucoup mieux. Non, viens pas à ta fête d'anniversaire, meuf, t'as pas voulu de nous. Il y a ouais, pour les meilleurs des trésors, hein. Ouais, voilà. Je vais regarder ce qu'il a trouvé quand même, parce que ce serait intéressant. Ouais, une relique de la mort de Zazatototl en or. Oh, ça c'est trop cool. Et puis quoi d'autre? Oh, une autre torte, une autre petite. Et comment ça s'appelle? Grenouille! Oh, j'ai oublié. Ça va, on commence à choper. On a 3 grenouilles parce qu'on en avait déjà une ici. Donc, on commence à voir ce qu'il faut. Hein. On a pas mal de thunes hein, déjà maintenant. Hein. Regardez, il y en a une, elle est toute dorée, l'autre elle a les yeux gris et l'autre elle a des pierres de différentes couleurs. Donc, ça c'est super cool. Et pour les assiettes, on a celle-ci. On en a que 2, mais c'est toujours ça. Elles sont très très jolies aussi. Du coup, on va prendre le courrier avec. Ah! Commencer la collection d'éléments.
Super! C'est vrai que j'avais oublié cette histoire des éléments, donc on en a reçu quelques-uns. Ok, on en a reçu, on a déjà des doubles et tout ça. Bon, on n'en a pas 10 millions. Et ça me fait penser qu'on va envoyer les doubles de tous les cristaux qu'on a chopés. On a tout ça à faire. On va avoir du taf quand même pour les 2 semaines, hein. Et puis surtout, découvrir un objet ancien, on a tout ça. Donc on est content. Allez, tu vas appeler des gens. Oh bah elle est devenue vieille! Oh bah c'est pas de bol! Bah tu vas appeler des gens parce que même Casey, tiens, voilà, et Candela aussi qui était ta pote, parce que là il a un besoin social assez préoccupant le petit. Ah, et c'est vrai que pour terminer une étape dans l'explorateur de la jungle, il faut qu'il assemble une relique mystique. Fusionner avec, il va me proposer donc Totei Kama, là je sais pas ça. Elle est assemblée. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. Oh, Cardool. Et normalement, ça me valide là. Fusionner avec et insérer un cristal. Ah, c'est ça le problème. Si tu me trouves un petit cristal, au pire, hein, j'irai raffiner cela. Hein. En plus, c'est vrai que tu peux envoyer. Et c'est vrai qu'on peut envoyer les métaux. J'avais zappé. Allez, tu vas raffiner un cristal. Oh, tout ce qu'on a, c'est incroyable. Tu vas faire la citrine. Allez, go pour la citrine. Ouais, cette jolie petite chose, eh ben, elle va se transformer en une minuscule petite graine qu'on mettra du coup dans la relique et on validera notre dernière étape. Et voilà, cette chose, tu peux la mettre dans l'inventaire. On retourne sur notre relique. Tac, et insérer un cristal. Clac, citrine raffinée. Et une étape de terminée! Et ouvrir 3 coffres au trésor et activer une relique mystique 5 fois et trouver 5 trésors omnisquins. Oh, punaise, bon, sauf qu'on en a déjà trouvé en fait, donc ça m'agace un peu. Mais bon, c'est pas grave, hein, sachant que je peux pas changer d'aspiration tant que j'en ai pas fini une. Alors, on va l'activer sur. Allez, Dirk Dreamer. Ah, il faut que tu ailles le voir en plus pour le faire, bien sûr, évidemment. Tu vas jouer un peu aux échecs avant d'aller te coucher. Parce qu'il est un peu tôt quand même, tu vois, il fait jour et tout, faut pas déconner, 8h du soir, tu vas pas m'endormir à 20h quoi. Allez, il est 23h, t'es fatigué, t'es concentré. Allez, va te coucher mon petit. Oui, c'est pour ça que je te dis d'y aller. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode, évidemment. Bah, Yowa va rester à résidence pendant 2 semaines maintenant, donc ça va être des découvertes de différents trésors, tout ça. Moi, je vais essayer de faire le ménage dans son inventaire pour qu'on y voit plus clair. En attendant, je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager la chaîne et à aller voir des pubs sur YouTube. Des gros bisous. Ciao.